Chouchou, beignet, qui en veut? Le chariot à glace antillaise. J'en avais parlé, je l'avais promis. Bon, ça a un peu traîné parce que on a perdu un temps fou sur un chariot d'hôtel avec un frigo dessous et tout, donc avec une grande glace géante dessous. Je sais pas si vous avez pas mis la photo l'autre jour, je crois. Hein? Et du coup, ben voilà, donc ça a été retardé. Ouais, on a mis 2 mois facile pour fabriquer ce truc. C'est fini, on fait plus de prototypes de trucs bizarres. Ok, donc le chariot à glace antillaise, l'autre fois je vous en avais parlé, c'est un chariot qui va permettre de, sans électricité, de pouvoir vendre de la glace. Alors le principe c'est un chariot qui est isotherme et à l'intérieur on peut mettre de la glace pour maintenir la température. Ici on met de la glace dans les bacs, là-dedans c'est la turbine. Donc, en fin de compte, c'est les premiers modèles de turbines qui ont été inventés. Ok, donc là, j'ai un bac où je mets ma glace dedans avec du sel pour pouvoir descendre autour de moins 18 degrés. Là, je mets mon mix à glace dans cette petite cuve-là. Là, je remue et du coup, ça va me faire la turbine à glace. Alors ça, c'est super quand on est sur la plage ou bien dans un endroit où il n'y a pas d'électricité. Par contre, on va fabriquer sa glace avant à la maison. Donc pour ça, la machine est équipée d'un moteur qui va le faire tout seul, d'accord? Parce qu'il faut quand même 30 minutes minimum pour pouvoir la faire, d'accord? Donc je branche ça sur le secteur 220. Alors il y a toujours possibilité, d'accord, d'adapter un modèle avec une batterie dessus. Et comme ça, ben, vous êtes complètement autonome. Alors, cette modèle-là, c'était une modèle avec 2 cubes. Donc, ça vous fait une réserve. Là, il y a 5 litres, d'accord? On peut pratiquement avoir 10 litres de glace en tout. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fait une glace un petit peu artisanale. Bon, je veux dire vraiment, ça fait vraiment même beaucoup artisanal, on va dire, d'accord? Mais je veux dire, voilà, ça fait typique, d'accord? Donc, vous avez vu qu'on a décoré le chariot avec glace antillaise, noix de coco. Parce que la noix de coco, justement, ça fait un petit peu comme en Thaïlande ou dans les îles. Vous arrivez là, un sorbet coco, je ne vous raconte pas comme c'est délicieux. Ok, donc en plus, là, vous avez vu 2-3 cacahuètes, ça, c'est le style un peu thaïlandais. Un peu de colis de caramel dessus et je veux dire, c'est top. Ok, donc là, vous avez vu, on a mis aussi un petit parasol. Je trouve qu'il est super sympa. Il est assez grand parce que il y a du soleil là-bas, d'accord, dans les îles. Ok, alors du coup, voilà. Donc, ce truc-là, après, on peut carrément l'adapter parce que moi, j'aime bien les trucs un peu, j'aime bien les concepts en fait. Hein. J'aime bien m'amuser à faire des trucs comme ça. Vous allez voir bientôt, prochainement, là, la semaine prochaine, je vous fais voir, on a fait un chariot qui va assurer. Et après ça, je suis en train de préparer un chariot. J'ai fait tous les plans 3D, un truc de folie, d'accord. Un truc, je ne vais pas vous le dire parce que je ne vais pas me faire copier par les Chinois. Ok. Donc voilà, donc ça c'est une turbine avec des cubes isothermes, donc ça vous êtes là pour l'après-midi tranquille, d'accord? Et s'il y a besoin, vous rajoutez de la glace, donc se dire c'est complètement autonome. Électricité pour quand on est à la maison pour fabriquer son mix, on se promène, on a ça, d'accord? Donc là, on a pas tout à fait fini encore, je vais mettre un joint, il faut que je trouve le joint, mais comme du coup, ben, je voulais vous faire la vidéo cette semaine. Et ben voilà, je la fais comme ça, d'accord? Mais du coup, là, on a sa glace, on peut faire de la glace, c'est super cool. Allez, et ben n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie pour le pouce bleu, puis je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.